Et salut à tous, ici Arcanum et on se retrouve pour un nouveau épisode de personnages sur God Eater 2. Donc les épisodes de personnages, c'est du lore en plus. Alors là, Emile n'est pas ici, donc il faut l'appeler pour qu'il vienne. Et voilà tout ce qu'il nous reste à faire, hein, au passage. Autrement dit, on a encore du beau monde. La dernière fois, on avait fait celui d'Irina et là, on va faire celui d'Emile. As-tu entendu, camarade? Oui, j'ai entendu. Eh, attends, écoute-moi, camarade. Le mur de la section A17 du quartier résidentiel n'a pas été réparé après l'attaque des Zargamis. Bien entendu, en tant que membre d'élite de la division Extrême-Orient, nous vaincrons toute ville à Argami qui s'infiltrera. De cette fois, j'ai remarqué quelque chose. J'ai vu que des mères portaient leurs bébés avaient l'air très angoissés à la vue de ce trou dans le mur. Comment mériter le nom de auditeur si nous ne pouvons pas rassurer ces gens? Quel genre de chevalier sommes-nous? Ouais, je suis d'accord. En effet, nous n'en sommes pas. J'ai donc accepté une mission pour y remédier. J'ai entendu dire que l'on manquait cruellement de Mariteo de Chiyu. On doit être le dé Ça doit être le destin. Malheureusement, j'en ai pas le temps d'aller en récupérer. Maudit soit mon temps, manque de talent. D'accord, allons-y. Je dois trouver un moyen. Je sais, accompagnes-tu? Excellent, j'en suis très reconnaissant, mon camarade. Yes! C'est vrai que ça, à chaque fois, il faut le remettre. Bon, puisque bon, il n'y aura pas trop de difficultés, mais je le mets quand même. Étant donné que c'est quand même mission que rang 2, hein, je suis rang. Mes âmes sont niveau 17, à un moment, merde, il faut pas déconner quoi. Ouais, c'est parti. Putain, ça fait un bail que j'ai pu jouer à ce jeu. D'accord. Ah, il arrive. Il arrive sur B. On devrait le voir là. Ah non, il arrive de B. Ah ouais, le mec, il est trop pépère. Attends, il m'a repéré d'ici. Ah oui, le point faible de Stargami, c'est ses points. Il va déjà chercher à manger. C'est pas un Aragami, on va dire, facile à affronter parce qu'il est un peu casse-couille. Il va encore chercher de la nourriture, je sais qu'il est mort quoi. Voilà. Ça a pris 2 minutes, mais en réalité, ça aurait pu en prendre deux. Hein. C'est moi, on a loot 3 fois la même chose. Ça y est, tu m'as agacé.
Il a l'un des cris de coups les plus drôles que j'ai jamais entendu. On dirait un mec qui fait une chute, mais genre une chute de 2 cm et qui gueule comme si c'était une chute de 3 mètres, quoi. Très rigolo. Bon, j'espère que c'est pas un mec qui demande 20 fois à qu'on fasse 20 fois ces trucs. Bon, clairement, ça, on s'en fout. Triple S. Alors, ouais, le triple S plus, c'est quand tu fais la mission en. C'est quand tu fais la mission en. Seul. Solo. Ce qui est pas difficile, mais bon. C'est pas hyper compliqué. Ah, une cinématique. C'est quoi cette musique? Je te remercie de tes efforts, mon noble partenaire de combat. Dans quelques jours, l'humeur trouvera toute sa force. Mais les citoyens conservent leur calme. Contemple, j'ai récupéré des trophées sur mes ennemis Aragami. C'est peu, mais mon arme. Non, 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 elles sont à toi de plein droit. La mission n'aurait pas réussi sans toi. Je te les offre. Vraiment, sans regret. Oh, ce jour est béni, je te suis très reconnaissant. Grâce à toi, mon arme divine grandira en force et en courage. Je trouverai un moyen de te revaloir ce don. Rendre à ceux qui aident est un principe de chevalerie. Je partage mon meilleur thé avec toi. Acquis la compétence seule mutuelle. Ok, une compétence. Alors les compétences de genre, il les a directement dans son moveset. Bon, je devine des missions libres, parce que bon, là on s'amuse bien, ça veut dire que là c'est le moment de casser les couilles. J'y pose. De toute façon, est-ce qu'il y a un personnage où tu peux faire tout en ligne droite? Je crois pas. Pas dans mes souvenirs. Voilà, faites des missions libres pour améliorer votre relation avec Emile. Donc vous savez ce que ça veut dire. C'est l'heure de la pause. Elle a tout de suite. Et voilà, les 3 missions c'est fait, donc il n'en reste plus qu'à en faire une. Et comme je ne sais pas si c'est au début ou à la fin, on va vous montrer tout le combat. Des fois c'est au début, des fois c'est à la fin, on sait jamais. Mais là, a priori, ça devrait être à la fin, étant donné que. Ah, il y a le taux de chargement, puis après il y a le temps de chargement de la cinématique. C'est dans cet ordre-là. Mais là, c'est le. Mais là, dans le cas ici, c'est. Ah, mais il y en a deux. Pas touché. Donc, c'est à la fin. Bon, c'est une mission du rang 4. Donc c'est un peu dur mais ça passe. Ah bah l'autre est revenu. Bon, je l'ai dit hein, que ça allait pas aller, ça peut être long. Ça, c'est le classique. Quand t'as 2 Aragami, bon, voilà, c'est un petit peu des fois un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd, on va dire, quand on attaque un avec l'autre
t'attaque. C'est celui-là le plus affaibli. Celui qui est quasi mort s'est barré. Voilà. Un mort. En même temps, plus qu'à tuer son collègue. Voilà, moitié de vie. Merde. Putain, mais il sera. Voilà. Ça, maintenant je la connais, hein, la petite charge au sol et suivie d'un petit onde de choc. Oh, il est mort. Il y en a encore un. Bon, bah, on va aller le chercher, hein. Oh, c'est un tank. Alors voilà, le pod à missile est déjà mort. Je le savais, sauf que j'ai oublié d'activer d'appuyer sur le bouton. Le casse-cou, il a toujours vouloir bouger. Bah, pourquoi vous l'attaquez pas? Bon, vu qu'il lui reste qu'un quart de vie. Ah. Apparemment, ça y est, les alliés commencent à galérer. Bon, ça a duré un petit peu plus longtemps, ouais. C'est sûr qu'avec des IA, c'était un petit peu long. Alliage d'horreur réactif et crâne d'horreur. Ah oui. C'est vrai que si tu tires pas dans la tête, il ne s'envole pas. Petite
balle dans la tête. Pour lui faire comprendre que ce qu'il puisse dire, on s'en tape un petit peu, quoi. C'est pas que on s'en fout, mais. Putain, j'avais eu peur que le micro soit pas allumé. Putain, ça veut dire, ça fait 15 minutes que je parle dans le vide. Ah, super. Grosse ambiance encore. Alors, crédit, non, des consommables bouillis. Ça a plein de heal, même si tu peux pas tout prendre. Triple S. Oh, on commence à avoir du truc argent ici, d'accord. Cool. Après, bon, c'est vrai que à partir d'un certain moment, faire ça avec uniquement les IA, c'est un petit peu compliqué. Alors, cinématique. Pas un chevalier. Bon, Rémi, tu commences à casser les couilles. Bah, j'utilise jamais moi les grenades. Je les ai utilisées peut-être 5 fois dans 2 jeux. Ouais, il a dit quand même qu'on était des âmes jumelles. Un petit peu pété une durite, l'ami Emile. Non, Emile, reviens. D'accord. Quand il parle. Je t'ai jamais aimé, Emile. Cette scène. Notre personne ne regarde même pas Emile partir. Emile a acquis les compétences stock de bon flash et stock de piège 2. Peut utiliser après. C'est vraiment une compétence, Emile le ténébreux. Ok. C'est pas du tout ridicule. C'est pas du tout un personnage ridicule. Le personnage est pas du tout ridicule. Bon, il faut refaire 3 missions, mes couilles, pour moquer la suite ou pas? Ah, va prendre, préparez-vous. Voilà, ok, on peut directement faire l'épisode 3. Moi, tu manques à main depuis que j'ai pris ma décision. Je me suis beaucoup entraîné avec des pièges. Ouais. En revanche, je crois que je ne rêve plus ces derniers temps. Tu les as juste peut-être oubliés. Non, hier soir je rêvais que je dormais dans un champ de thé et en avant ça, il y avait un chasse. Je pensais tester, j'aimerais quand tu. Ouais, allons-y. Mission difficulté 2. Eh, c'est parti! Putain, on est passé du mur à des pièges, quoi. Ça n'a pas de sens. Ouais, donc du coup, je pense pas utiliser mon truc de vœux ici quand même, ça serait ridicule. Quoique.
Emile, tu peux faire quelque chose de ta vie ou... Plus c'est 1000 hein. Ah bah il respawn à la même zone. À peine arrivé qu'il s'est déjà fait goumer. Bon, Emile, c'est quand tu veux pour agir. Vraiment vu une IA un peu à ce point Google. Hein. Ah ouais, d'accord, à part foutre tes pièges à la con ou faut pas, tu sais pas faire grand chose, Emile. Hein. Par contre, si tu me redemandes de faire 3, bon, c'est même sûr. Hein. Il va me redemander de faire 3 missions libres pour améliorer notre amitié. Bah les pièges c'est utile mais il faut pas tout seul quoi. Quand t'as des alliés avec toi, oui. Quand t'es le seul, bof quoi. Super. Ça m'énerve pas du tout. Attends, j'ai pas trop le choix. C'est sûr que gagner 200 au lieu de 100, c'est cool. 1125, ouais, quand même. Et de loot du truc qui vont pas me servir à grand chose, étant donné que bah, c'est de l'armement de niveau 2. Ah, cinématique. Ok. Je peux recommencer? J'adore quand même notre perso sur certaines situations. Frappe-le de toutes tes forces. What?
Putain, notre perso, il y a de la force, hein, dis donc. Putain, comment il a volé. D'accord, bah, si je suis vite sérieux de faire ça. Je me sens bien comme je suis. Ok. Emile a pris un arc de sang. Bon bah... à force de le tabasser, il a fini par avoir son arc de sang. C'était marrant. Donc maintenant, c'est augmenter son arc de sang. Je suppose qu'il faut faire des épisodes... il faut faire des trucs maintenant. Voilà, faites des missions libres pour améliorer la... Alors, on a eu combien avec Irina? Ah ouais, Irina, 1, 2, 3, 4, 1, 4. Ah, il a dû au moins avoir 5 missions libres avec. Bon, je pense que le minimum, c'est 6, donc il reste 3-4 niveaux. Bon, bah, c'est parti pour les missions libres, et je vous retrouve après. Vraiment, je l'ai brièvement initié au dernier jeu vidéo auquel la première unité joue ces derniers temps. Apparemment, il voulait éviter qu'Irina se moque de lui. Je lui ai après maîtrisé la technique défense parfaite. Voilà, ça c'était la petite scène. Les petites scènes bonus. Quand tu as les trois trucs, je sais même pas comment on peut appeler ça, des trois lumières allumées. Le niveau 3 de récompense. Alors, il me semble que c'est bon là. Non, bon, c'était juste pour vous montrer cette petite scène. On se retrouve tout de suite dès la... Ah bah non, c'est peut-être là, je ne sais pas. Attendez, le mieux à faire, c'est de regarder directement ici. Non, bon, on se retrouve dès que j'ai fini cette dernière mission. Bon, en réalité, il en reste deux à vous faire, mais c'est pas grave. Vous aurez une des deux missions. Voilà. On peut reprendre... Alors j'ai changé d'art de sang, j'ai mis briseur de fer parce que je me suis dit bon il serait peut-être temps que j'augmente les arts de sang. Sachant que j'en ai encore beaucoup à augmenter, j'en ai peut-être 2-3 qui sont finis à 100%. Mais le reste c'est pas fait donc on va faire ça. Briseur de sang, le briseur de fer c'est plutôt fort en plus. Parce que ça m'augmente les dégâts sur ma 4e attaque consécutive. Donc c'est plutôt intéressant comme... comme truc. Ça aurait pu aider, hein, c'est vrai, pendant pendant le coop. Attends, on les affronte maintenant, eux. Et évite pas, putain. Voilà, vous avez vu, ça fait pas mal de dégâts. Par contre, c'est un petit peu plus lent à s'activer que l'autre truc. Par contre, les dégâts, c'est vénère. Par contre, t'as un... Il y a du lag violent sur ça. Ouais, 3000 de dégâts, mon gars. Donc c'est vrai que ça aide contre les petits Aragami ce truc. Bon il est quasi mort. Ah non il est même pas quasi mort. 3000 de dégâts mon gars. C'est quand même assez violent. Ça te tue vraiment hyper vite l'Aragami de ton choix quoi. La différence entre neutralisateur et porteur ultra. Hein. Il se barre.
Voilà. La preuve quand même que cette aptitude est quand même un peu pétée. Mythe de dégâts, c'est vrai que briseur. Alors le problème de briseur de fer, c'est que ça va pas marcher sur des aragami rapides. Hein. Mais c'est sûr que pour clean une map. Bon après, là, le désavantage, c'est que. Bon, chacun a ses avantages en réalité. Que ce soit l'âme vampirique ou l'âme briseur de fer. Briseur de fer fait quand même beaucoup plus mal. Regardez là, on l'a fait en 2 minutes 40. Grâce à la puissance de briseur de fer. Et encore, c'est le niveau 3. Hein. Le niveau 4, il doit vraiment piquer. Hein. Ça doit vraiment être une aptitude qui fait hyper mal. Donc ouais, améliorer les trucs. En réalité, les compétences de la Lombong sont quand même pas mal, hein, très diversifiées. T'as le truc qui heal, t'as le truc qui fait du dégât. Après, bon, faut réussir à placer les 4 hits. C'est vrai que ça a tendance à. Ça a plutôt tendance à ne pas réussir, ça. Dommage, à 2 secondes près. Consommable. Quand ça va vouloir. Ah non, j'allais dire, je vais vouloir me parler. Il faudra que j'utilise les trucs là, les trucs nuls que j'obtiens pour améliorer mes armes, pour avoir les plus 15. Triple S, nouveau record. En même temps, c'était pas compliqué. J'ai gagné 0,1 point. Ah d'accord. Ah ouais, il faut vraiment faire des rages de sang, quoi. Bon travail, Emile. Sa fidèle Paula Stern. Ok, il a donné un arme et un nom à son arme. Ouais, dis-moi, je t'en prie. La lumière émise par l'activation d'un puissant art de sang. Alors, c'est con que le message son des voix est un peu à chier. Parce que hein, dans les menus du jeu, la voix est au même niveau que la musique. Mais je crois qu'il va falloir baisser. L'art de sang de Emile augmente. Il passe au niveau 2. Donc, après, c'est le niveau 3 et 4. J'ai même pas regardé ce qu'il fait comme son art de sang. En réalité, tu peux pas regarder. Bah, tu peux juste regarder les compétences personnelles, quoi. Bah, alors, je crois que c'est encore des épisodes. Et voilà, augmenter. Et votre relation avec Emile en faisant des missions libres. Super, c'est cool. Alors, par contre, compétences personnelles. Il a cœur embrasé. Exagération, endurance. Ah, il est à full endurance.
Les objets savent mutuel, c'est ça sa compétence personnelle. Ouais, bah, il a plein de compétences qui lui permettent d'avoir des compétences, des trucs. Grenades, c'est marrant. Ok, alors je sais pas ce que ça fait les arts de sang pour certains. Alors pour le moment, il y en a qu'un qui l'a pas, c'est Kota. Les autres, on les a tous activés. Irina, elle a 4 et lui, il a 2 pour le moment. Donc ouais, il faudra encore le faire deux fois. Donc bah, c'est reparti mon kiki, hein. Super, hein. Et c'est bon. Bon, il faut réussir à la mission, mais bon. Il n'y a que un Aragami à buter, donc ça devrait être rapide. Enfin, j'espère hein, que ce soit rapide, parce que bon. C'est pas que la vidéo fait déjà 36 minutes. Bon, moi, pour moi, plus. Ben, si je compte les 3 missions que j'ai dû faire à chaque fois. Ah oui, j'ai gaspillé mes munitions parce que des fois tu peux leur les tirer. Tu peux leur tirer dessus avant qu'ils spawnent. Ce qui est des fois ridicule parce qu'il est mort, ils sont morts hors map. Bon là par exemple mon diviseur de fer, ça va pas servir à grand chose étant donné qu'il est hyper casse-couille. Mais je sais que son point faible c'est sa queue. Voilà. Trois mille 200 de dégâts dans ta gueule. Quand même pas mal. Mais le max que j'ai fait pour le moment, c'est 7000 de dégâts. Je t'avoue que ça fait plaisir. Bon. Faire 3 assimilations. Ah bah voilà. Plus qu'à faire les dégâts. On va pas les faire. Parce qu'il arrête pas de mettre son coup de queue de merde. Putain, pas du tout casse-couille avec ses coups de queue. Voilà, 6000 de dégâts. Bon. Voilà. 3 minutes, pile poil. Oui, puisqu'il est mort dans les escaliers, je me demandais où il était. Bon, il y a d'autres Saragami, mais c'est des non obligés. Du duralium. Bon, j'ai failli mourir, mais bon.
reste quand même une bonne partie de ma vie. Donc c'est pas que je suis mort. De l'acier de Damas. Je lui tire pas dessus? Non, pas du tout. Non. Alors cet Arigami là, il a entre 1800 PV et 2000. Du soin. Parce que j'ai pas besoin d'autre chose en réalité. Triple S. J'en ai looté un des merdes pour il. C'est un ticket bronze que j'ai eu. Récompense de haute difficulté. D'accord. Oui, j'ai gagné 5% en 4 missions pour le prix de fer. C'est génial. Le plus fidèle des amis, je suis désolé, je peux retenir mes larmes. Tu me trouves dans un état déplorable, tu ne devrais jamais me voir aussi faible. Je sais, il est étonnant de voir un homme fort et admirable au fond en larmes. Ce n'est pas surprenant. Vois-tu, je repensais à mes premiers jours ici, dans la division des Srémorians. Ah oui, tout était si nouveau, chaque expérience était unique, je voulais tout voir. Et puis, ah, comme je regrette ce jour, j'ai rencontré un ennemi plus féroce que n'importe quel Aragami. Le sushi. J'adore les sushis. Mes paroles m'ont fait déflorer la vérité. Je n'ai rien contre les sushis eux-mêmes, ils sont merveilleux. Ce que je ne supporte pas, c'est ce monstre vil, très très sournois, le démon qui l'accompagne, le wasabi. Son odeur, oh, son odeur est sublime. Mais le seul souvenir de cette journée m'arrache les larmes. Bah, des larmes plutôt. Et aujourd'hui, comme perturbé par mon tourment, ma fidèle Polarstern a commencé aussi à trembler. Ah, ma chère Polarstern, pleures-tu toi aussi? Voilà, tout ça pour ça. Donc, il a bouffé des sushis au wasabi et. Ça nous vaut ce monologue. Bon, bah, je suppose qu'il lui reste trois missions à faire, c'est ça? Encore des missions libres, hein, parce que vraiment, tant qu'on y est. Ah non! On va pouvoir continuer, cool. Ah, comment vas-tu, camarade? Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Je suis le même que d'habitude. Oh, on crache le morceau. Je ne peux pas le cacher plus longtemps. La prochaine mission consiste à protéger les nouveaux colons des bases satellitaires. Le capitaine Kota a dit tu peux y arriver, Emile, et il m'a nommé chef de l'unité en charge de la mission. La capacité à s'adapter de n'importe quelle situation est un point fort de la division des Srémorians. Toutefois, jusqu'à présent, je n'ai eu qu'à combattre des Aragami loin des zones habitées. Si je ne parvenais pas à protéger ces civils, ce serait une catastrophe. Le poids de leur vie sur mes épaules est tellement lourd qu'il me cloue au sol. Quelle misère je fais. Où est passée ma fierté de chevalier? Tu veux que je t'aide? Quoi? Mérites-tu une âme aussi désespérée que moi? Bien sûr. Merci, ça me rassurerait vraiment de t'avoir à mes côtés. C'est une mission de niveau 7. Et je crois que c'est la même que qu'avec. C'est la même qu'avec Irina. Un prix Nismata, ouais, c'est exactement la même pour le moment. Y a rien d'original, on va dire. Par contre, je me soigne pas, ah oui. Alors, par contre, c'est du 2v1. Non, attends, je crois qu'il y a deux Aragami. Pour le moment, je suis tout seul. Je crois que c'est vrai, c'est Polarstern dans son arme. Voilà. Bon, en même temps, c'est des Aragami niveau très faible. Et le voilà, le monstre. D'accord. Super, c'est super d'avertir les gens. Alors pour le moment, c'est du 1v1. Ah bah, il va déjà chercher de la nourriture. Ou pas. Ouais, ouais, vous avez pas arrivé. 1000 de dégâts. Non, je suis pas en galère, c'est pas vrai. Ah,
On va se débarrasser des Aragami casse-couilles. Putain, il y a des Kodoks qui arrivent. C'est quand tu veux, Emile, hein, pour venir. On remarque que je m'en sors plutôt bien tout seul. Ah, le v'là. Taux d'évocation à 300%. Ah, il a mis un piège. Sauf que, bon, c'est le Kodok qui va se le manger. Allez, viens. Voilà. Merci d'être stupide. Par contre, on ne voit pas ses PV, contrairement à... Je me suis fait bolos par une Kodok, ouais. Voilà. Si tu veux bien te charger de la queue d'ogre, Emile, ce serait sympa de ta part. Aïe. Serre-toi pas, Emile. Fais quelque chose dans ta vie. Bon, je dirais qu'il est peut-être à 25% de sa vie. Par contre, Umi, tu fais pas grand chose. Hein. Enfin, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que je sais faire des missions niveau 7 tout seul. Aïe. On est d'accord que Emile n'a pas attaqué une seule fois là. Tu as, je vais être très gentil, mais je pense, j'en pense pas moins. Tu sers pas à grand chose, Emile. Disons que je pourrais être plus méchant en disant ça. Disons qu'Irina servait plus à autre chose. Ah, il lui est arrivé d'être utile. On lui met des petits dégâts, hein. Bon, allez. Moment, faut arrêter de déconner. Le problème, c'est qu'Emile fait pas de dégâts. Enfin, si, là, il en a fait un petit peu, mais... Tu veux pas arrêter de te ramer le cul et agir, mon perso? J'adore... Je pense que vous connaissez l'amour que j'ai pour les Aragami qui n'arrêtent pas de sauter. Voilà. Je sais pas ce qu'il fout, hein, vraiment. Hein. Il saute, il va à un autre endroit, bref, il fait un peu n'importe quoi. Là, par exemple, il ne bouge plus. Bref, un peu n'importe quoi sur 20. Il est casse-couille. Hein. J'aime pas les Aragami qui sautent tout le temps, parce que quand tu veux les frapper... T'es obligé de leur courir après, c'est chiant. Bon, vu que t'es casse-couille. Ok, alors aussi, hein, les Xbox qui tout des Aragami, des fois, c'est un peu n'importe quoi aussi. Bon, tu vas mourir, oui ou merde? Voilà, le petit saut en arrière qui sert pas à grand chose.
C'est pas chiant, hein. C'est juste. C'est juste plus chiant que. Que d'habitude, quoi. Voilà, petit saut en arrière qui sert à pas grand chose. À part te casser les couilles. Il est où le truc? J'ai pu le toucher. Oh, qu'est-ce qu'il est casse-couille! Par contre, c'est un sac à PV. Voilà, merci. Bon, un petit peu galéré, mais. En même temps, Emily a pas servi à grand chose, quoi. C'était exactement la même mission qu'avec Irina. Pourtant qu'on s'est mieux sorti avec Irina. Peut-être parce que j'avais l'âme vampirique. C'est vrai que ça aide aussi. Hein. Celle-là, je l'ai fait en 6 minutes. Hein. En même temps, notre ami Emile, il n'a pas servi à grand chose. Hein. Alors, je sais pas si je l'ai ramassé. Logiquement, c'est fini. En théorie, c'est le fini. Triple S, malgré tout. Ah, bah voilà. Ouais, faudrait que je fasse des missions difficiles voilà, pour gagner, pour augmenter mes trucs. Apparemment, au niveau 7, c'est bon plan. La mission est complétée. Vous avez ma deep gratitude. The innocents survived this day. Smiles fill me with warmth. I feel I have come into my own as a god eater. I wonder how oft we have fought side by side. Je dirais peut-être 10 fois, 20 fois. Never have become the god eater I am. Without you, I would have fallen. There is something I wish to share with you. It is about my god arc, Polarstern. Ah, il nous donne son arme? Bah. I told you once that I would share the story. Je t'avais dit que je te raconte. Ouais, je m'en souviens. Le reflet de la véritable étoile polaire. Ah, s'il nous donne son. Bah, si on a une copie de son arme, ça peut être sympa. Une récompense. Putain, alors, note à soi-même. Baisser la musique dans les menus du jeu. Polarstern, c'est beau. Ouais, l'étoile du Nord. Hein. Non, ça ira. Voilà, son ordre de sang est niveau 4. Acquis la compétence esprit de chevalerie. On va aller voir ce que ça fait.
Par contre, les arts de sang, je sais pas ce que ça fait, hein, des fois. Hein. Les effets sont un petit peu obscurs. Bon, bah, ça aura fait 1 heure. Bah, pour vous, ça fait 1 heure. Pour moi, ça fait au moins 2 heures. C'est long, hein, les épisodes de personnages. Hein. Si chacun fait 2 heures. C'est vrai que c'est un petit peu long. Le prochain, je crois que c'est Harumi. Alors, Emile, c'est terminé. Ah non, c'est Lika. C'est après Harumi. Oh putain, ça va être une angoisse. On en a encore beaucoup à faire. Hein. Ah, même Harumi, ça va être un. Ça va être spécial. Falloir s'accrocher à son siège. Hein. Alors, Emile. Exagération. Ça, c'est son pouvoir de so en soi. Attends, il y a une inébranlable en offert, quoi. Ah mais il l'a pas. Il l'a pas il l'a pas d'enseigner, on va dire. Salve mutuelle. Ah il a. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Ça allumait courroux vengeur. Ok. Ok. Et du coup, pour avoir Émile le Ténébreux. Ah bah on peut lui enseigner, c'est juste que j'ai pas assez de points. Stock de traquenards basé sur le niveau des capacités. D'accord, bon c'est. Ça englobe, je pense, stock de bombes et stock de pièges 2 dans une seule compétence. C'est mieux que rien, vraiment. Donc voilà, c'est la fin de. L'épisode de Emile, le prochain donc c'est celui de Lika. Alors je sais pas ce qu'on a avec Lika. Ah c'est je pense qu'on débloque un nouveau dispositif de. Je pense que c'est avec elle qu'on débloque des dispositifs parce que là c'est assez bizarre de pas en avoir vu du jeu. Donc en tout cas voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de God Eater 2 et d'ici à portez-vous bien. Bye bye.